L'histoire du quartier maghrébin de Jérusalem, c'est une histoire très peu connue et pourtant c'est une histoire très très importante pour l'histoire de Jérusalem et pour l'histoire du Maghreb et pour l'histoire du Maroc. Qu'est-ce que le quartier maghrébin ? C'est un quartier qui était situé en plein cœur de la vieille ville de Jérusalem, devant le mur occidental actuel, et qui a accueilli pendant 8 siècles, de la période de Saladin jusqu'à la guerre des Six Jours, jusqu'à 1967, des dizaines de milliers de pèlerins marocains, algériens, tunisiens, qui venaient à Jérusalem, sur la route de la Mecque, et qui s'arrêtait à Jérusalem à l'aller ou au retour, parfois pour quelques jours, parfois pour quelques mois, parfois pour toute une vie, parce qu'ils étaient malades ou parce qu'ils préféraient mourir en pèlerinage. Donc l'histoire du quartier maghrébin de Jérusalem, c'est une histoire très 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 forte pour les habitants de Jérusalem, très très symptomatique aussi du destin de cette ville qui était ouverte à toute la Méditerranée, à tout le bassin méditerrané, et de tous les musulmans, évidemment. Une histoire complètement inconnue. Pourquoi ? Parce que, juste après la guerre des Six Jours, ce quartier a été détruit par l'armée israélienne en une nuit. Les habitants ont été évacués en 2 heures. Et donc, c'est un traumatisme très lourd. Aujourd'hui, les anciens habitants du quartier maghrébin commencent à parler, commencent à témoigner. Le livre, il est construit en partie sur ces témoignages, mais aussi sur des archives historiques. Des archives ottomanes à Istanbul, des archives jordaniennes, des archives françaises aussi, parce que la France, à un moment, dans les années 1950, a pris la protection de ce quartier, considérant que, comme le Maroc et l'Algérie et la Tunisie étaient dans l'empire colonial français, il fallait protéger ce quartier. Donc il y a aussi une histoire française très, très, jusqu'ici très, 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 très inconnue. Voilà. Donc le livre, il a été publié il y a un an, en janvier dernier, en français. Il va être publié en arabe à l'Institut d'études palestiniennes dans quelques mois. Il va être publié dans 2 mois en anglais par les presses de l'université de Stanford aux États-Unis. Donc il commence à avoir un impact assez important. Il va être publié en hébreu aussi. Voilà, je suis évidemment très très heureux de présenter ce livre araba dans le cadre de la fondation Bouabid, qui est une fondation très très très, très prestigieuse ici au Maroc.